le football et on va parler de Laurent. Il est parti à vélo de Ulu avec son groupe des capitaines Sico. Il est seul, mais maintenant il vient d'être rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Allô, bonjour. Oui, alors vous en êtes où? Vous étiez parti, on vous, bah, on vous avait connu du côté de Chaumont, c'est ça? Ouais, de Chaumont ce matin. Et là, je suis arrivé à Chalancé, donc c'est 40 km à côté de Dijon. Donc, a priori, vous êtes parti pour voir la rencontre? Ça serait bon, non? Donc, mais bon, là, on est en pleine montagne, donc c'est assez chaud quand même, quoi, c'est dur. Comment sont les jambes? Bah, très lourdes. Je crois qu'il va me falloir une bonne semaine pour récupérer, je crois. Justement, j'avais une question à vous poser, puisqu'on avait oublié de vous poser cette question hier. Vous êtes parti à vélo à Dijon, mais vous revenez comment? À vélo aussi? Non, en bus. En bus, parce que déjà, mardi, je travaille, quoi, donc j'aurais pas eu plus de journées pour revenir, quoi. Mais bon, j'aurais eu du mal à revenir. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Là, vous êtes deux maintenant, il y a un de vos copains qui m'a rejoint. Il y a un ami qui m'a rejoint hier soir à l'hôtel à Chaumont pour m'aider à finir le trajet. Et ce que je vais retenir, c'est que c'est dur, mais pour un club comme Lens, on est prêt à tout. Et c'est ce que je voulais montrer aux joueurs. Et je vais arriver avec un t-shirt pour dire qu'on va pas oublier, mais qu'on espère beaucoup pour l'année prochaine. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Vous avez fait l'effort et vous leur demandez d'en faire autant. Ouais, voilà. Parce que j'ai quand en travers de la gorge la fin de match de vendredi dernier contre Boulogne, où à la fin du match, on a dû les appeler pour qu'ils viennent faire la fête avec nous, alors que normalement, ça devrait être instinctif. Ils devraient venir faire la fête à chaque match avec nous, dans la victoire comme dans la défaite. Est-ce que vous pensez que vous serez encore capable de refaire un tel déplacement? Parce que 500 bornes à vélo, tout le monde ne le ferait pas. Je pense que l'année prochaine, on va voir pour faire un petit peu plus. D'accord. Mais pas tout seul. Pas tout seul, parce que tout seul, c'est vraiment dur. Laurent, si vous faites beaucoup plus, vous n'hésitez pas, on fera comme cette fois-ci un étape par étape avec vous en direct sur Lens Info. Merci Laurent, Merci Pascal. Bon, au revoir. C'est la